Je dois obligatoirement lier les devis retenus et non retenus, numérisés, à ma commande via le panneau flottant sur la gauche. Avant de rattacher ma pièce à la commande, je dois la nommer correctement en indiquant devis, underscore date du devis, underscore numéro du devis, underscore nom du fournisseur. J'ouvre et je fixe le panneau flottant. Je clique sur le bouton rouge Créer. Je sélectionne le type de document en fonction de la pièce que je veux créer. Donc ici, j'ai devis non retenu ou devis retenu. Les devis retenus sont automatiquement transmis à la trésorerie au moment de la mise en paiement de la facture fournisseur. Les devis non retenus sont des pièces internes. Je clique sur Déposer dans la jette afin d'aller chercher la pièce numérisée. Je clique sur l'icône Trombone et je vais sélectionner mon devis. Je clique ensuite sur le chemin proposé par l'application pour déposer le document et je vois apparaître un petit triangle rouge à droite du chemin. Je valide en cliquant sur OK. Et je confirme le dépôt de ma pièce. Je saisis la désignation de mon document. J'enregistre en cliquant sur la disquette. Ma pièce est alors créée dans l'application et est liée à ma commande. Elle est visible dans le panneau flottant. Je peux ainsi créer plusieurs pièces justifiées.